Alors, le sens de l'ONU existe depuis 2006 et on a démarré nos activités sur un petit jardin partagé au mur à pêche qui fait 600 mètres carrés. Et on était d'abord dans des activités liées à l'agriculture alternative, notamment à la permaculture, donc à un mode de culture potagère qui essaye de se rapprocher le plus possible de la nature. Donc d'une certaine manière, on essaye de recréer un petit écosystème, même en tout petit, de façon à ce que le processus de développement des plantes se fasse le mieux possible et le plus écologiquement possible aussi, puisqu'on ne met pas d'engrais dessus. Donc avec la culture sur but, des associations de plantes, une mare, des espaces sauvages, enfin tout un aménagement particulier. Donc c'est sur cette base-là que l'association s'est créée, avec un petit projet de compostage collectif aussi à côté qui s'est développé par ailleurs. On a trouvé un autre lieu qui fait 3 000-4 000 mètres carrés au mur à pêche, hein, pas très loin de notre parcelle, qui est le jardin de la plus ancienne horticultrice de Montreuil, qui n'est plus vraiment en activité, mais qui est toujours vivante et toujours à l'éveil de ce qui se passe dans le lieu où elle a cultivé. Donc Geneviève Pouplier qui, durant toute sa vie, avec sa mère notamment, a cultivé des fleurs sur ce lieu. On s'est embauché avec une collègue et puis on a embauché deux personnes en contrat aidé pour entretenir, mettre en valeur ce site. Et puis dans cette perspective, un peu peut-être à moyen terme d'insertion. Puis finalement, on a eu la possibilité, avec le financement d'Est Ensemble, de mettre en réalité, de donner réalité à ce projet pas tout à fait de chantier d'insertion, mais on appelle ça d'un jardin solidaire, où des personnes de Montreuil et des villes avoisinantes, donc ensemble, vont venir travailler avec nous le jardinage et puis des activités liées à tout ce qu'on peut faire ici, aussi bien les ruches que le compostage, que des abris pour les insectes ou les oiseaux ou d'autres choses comme ça, ou la taille des fruitiers. Voilà.